Et c'est le grand départ. C'est parti les amis, les aventures commencent. Alors la surprise qui va pas être tant une surprise que ça de là où est-ce qu'on va partir, je pense que vous aurez l'habitude. Du coup aujourd'hui on est sur deux voitures parce qu'on est 6 et que 6 dans une voiture ça ne passe pas. Donc on a fait Léane, Mamouche et moi et derrière il y a Papouch, Nono et Tanguano dans l'autre voiture. Et c'est Léane aujourd'hui qui prend le volant et pour la première fois va faire l'autoroute. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. On laisse passer Pépé. On va écraser quand même. On les voit pas là-bas, ils font pas coucou mais ils sont bien derrière. Allez, direction l'aéroport. On est arrivé à Bordeaux. On est arrivé à un truc pour garer les voitures. Là on va prendre cette petite navette qui est derrière. On va tous monter dedans et ils vont nous emmener directement à l'aéroport. C'est super cher les parkings d'aéroport. Donc on l'a garé sur un parking indépendant. Et c'est beaucoup moins cher. Les gars, on est tous en train de s'installer dans le minibus. Du coup il y a 6 places, ça tombe bien, on est 6. Non, il y a pas 6 places, il y a 9 dans un minibus. Ah oui, 9, pardon. Dites coucou le vlog. Est-ce que vous êtes un peu stressés les gars? Non. Ça va pour l'instant. Il y en a un, il a fait cacamou. Ah non, bah, c'est pas lui. C'est Tanguy. Bon, on a dû s'arrêter sur la route. C'est en train de tourner là. Ouais. Les gars, ils doivent donner leur ressenti par rapport là, comment ils se sentent, là, à l'avant-vol. Alors moi perso ça va. Pour l'instant je suis pas du tout stressée. Je pense que même des fois que je serai dans le machin, j'ai pas stressé, juste j'appréhende les... Wouh, voilà, le décollage quoi. Moi perso je suis trop pressée de décoller. Pareil. Et d'arriver. Pareil, idem. Pressé de voir surtout la tête des enfants. Moi, je suis pas pressé. Je suis un peu stressé, on va pas se mentir. Bien, je crois. Bah nous, ça va, hein. C'est un peu notre moyen de transport habituel, on va dire. Donc, On est déjà tous déposés à l'aéroport, ça a mis 10 minutes à venir là. Faut qu'on aille s'enregistrer, mais faut qu'on trouve les portes. Ah oui, parce que vous savez peut-être pas quelle heure il est. Il est quelle heure? 10h40 et on a notre vol à 13h30. Regardez, l'handicapé, on a trouvé un petit fauteuil pour lui. Sympa. Papouch, il va le pousser et tout. Non, mais si c'est pas dingue ça. Tanguy le colis. C'est joli ça, Tanguy le colis. On est passé, c'est bon. On a posé toutes nos valises, tout est fait, c'est nickel. On va manger parce que de l'autre côté, il n'y a pas à manger, on a super faim. Donc on va dans un relais. Là, on a perdu papa. Mais non, c'est avant que tu veux faire, c'est tout. Il est en train d'essayer de déverrouiller un cadenas. Oui. On a que ça à faire hein, dans tous les cas. Donc. Ah bah oui, en plein intérieur. C'est moi l'aviateur. Oh my god, c'était le pilote. Piloté, ouais. Regardez là-bas, elle a voulu prendre des pattes. Ça chauffe. Ouais, elle est en train de penser à toute sa vie là. Pleure pas, Elano, hein, ça va aller. Non, non, attendez, j'ai peur. Voilà, on s'ennuie à l'aéroport. On va se faire engueuler. C'est par qui? Ah, c'est génial en fait. Bah voilà. En voiture Simone. En voiture Simone. C'est où le temps de l'eau? Salut les gars. Attends, il va nous lâcher là. Oh merde. Je lâche. Mais regardez ça, je suis tout seul en train de garder le chariot, ils sont tous partis aux toilettes, ils m'ont tous abandonné. On passe tous les contrôles de sécurité, mais là on vient de voir que notre avion a du retard, mais ils ne disent pas combien de temps. Ah, il s'est passé pour 53, c'est 59, c'est 53. Regardez, il y a écrit retardé. C'est le seul en plus, vraiment. Retardé, allez. Bon, ça y est, notre petit avion est juste là, on est tous prêts. On est dans l'avion et je sais pas, trop bizarre, ils nous demandent d'avoir le masque. Ça fait longtemps, ça date, hein. Ils sont pas plus mammouths, faut qu'on arrive à les faire coucou. Regardez les au fond là-bas, coucou. Ressenti maintenant. Ça va. Il y a de la brume, genre l'avion il fait de la brume sur tous les côtés là. Et tout en haut ça fait de la brume pour prendre ta frais quoi. Bon les gars, nous sommes bel et bien dans l'avion. Là la dame vient de fermer la porte. Donc ça veut dire qu'on va bientôt partir. On rappelle que la Nora et Tanguy c'est leur premier vol. Donc ils sont un petit peu... voilà hein. Ah oui, je t'ai dit. C'est parti. Pour faire du vent parce que Lano est vraiment pas bien. C'est bon, on atterrit. Il va Espagne. Et Lano, ça commence à aller mieux et voilà. Bon, autant dire, depuis tous les vols qu'on a fait là ces derniers temps, où on a fait une dizaine à peu près,
Celui-là, on a cru y passer, les gars. Ouais, vraiment, ouais, l'atterrissage, on a eu trop peur. Vraiment, c'était horrible. On voit pas bien sur la vidéo, comme avant, mais vraiment, le vol a vraiment bougé sa mère. Regardez la différence d'aéroport, regarde ça. Tu te sens bien avec tes béquilles? Regarde, il y a juste un petit allée là. Mimo, pour combien de on s'assoit sur ça et on tourne? 10. 1, 2, 3, 7. Je sais que t'allais dire 7, je peux pas. On refait. Non, bah allez. Non. 1, 2, 3, 4. On improvise comme on peut, de faire passer le temps, on improvise. Léano, là, regardez l'enjambe là-bas. Attendez, elle a ramassé la poussette. Mais quelle héroïne. Hey good, on a notre bagage, il y a tout le monde, on est bon. Regardez, on a récupéré une voiture sur les deux. L'autre, elle est là-bas, mais je peux pas vous montrer parce que vu qu'on a fait deux voitures encore. Et on rentre. On nous a fait passer par la Pampa, on ne sait pas du tout où on est. Regardez, on est entre deux champs, les routes elles sont super serrées. On ne sait pas où on est. Faut peut-être allumer la lumière pour faire le petit room tour, house tour. Il y a la clim. Voici notre petite maison, notre petit appartement pour ce séjour d'une semaine. Bon, c'est plutôt beau gosse, hein. Salle de bain. Bon bah c'est une salle de bain quoi, on va pas y passer notre life. Une chambre ici. Avec salle de bain et toilettes. Oh, moi j'aime bien celle-là, Mimou. Et la dernière. Sérieux? Bah la suite parentale pour les parents. Ah oui. Ah, il y a une baignoire. Intéressant ça. Bon, on récapitule. On a loué deux voitures, on vient d'arriver à la maison. La clim ne fonctionne pas. On a volé ça à l'aéroport pour Tanguy quand, si on va marcher ou des trucs comme ça. Et... On va le rendre, bien évidemment. On va dans l'avion. Il fait pas beau dehors, mais il fait super chaud. Et là, on va se baigner. Partir avec un handicapé, c'est quoi? La galère. Eh, hey, c'est pratique ça, par contre. Nous sommes bien arrivés à Majorque, Al Soudia plus précisément. Du coup, c'est notre premier petit resto. Du coup, on est content. Voilà, c'est parti. Il y a le port derrière, c'est absolument magnifique. Premier repas du soir. Alors là, moi j'ai pris une petite salade salmon, pâte aux truffes, maman salade. Les trois zigotos là, ils ont pris la même salade au poulet. Et Babouch, t'as pris quoi? Chèvre et miel. Ok, chèvre et miel. Voilà, bon appétit. Ceux qui ont suivi les vlogs d'avant, vous savez le regret que j'ai. Vous savez très bien. Seuls les vrais s'en rappellent vraiment. Nous sommes partis, on s'aventure dans une petite aventure justement pour aller faire un petit brunch. Regardez. Donc là, il est actuellement, s'il vous plaît, quelqu'un me donne l'heure. It's trop la dalle. It's time to 10h18. 10h18, touchez votre nez. Non, c'est sûr qu'on peut partir à 10h. On va bruncher. On a une vingtaine de minutes à marcher avec monsieur la pâte cassée. Arrivé là-bas, on ne sait pas quel restaurant font des brunchs, mais on verra sur place. KFC, ils vont faire brunch, je te le dis. On est arrivé, regardez, on a trouvé, on avait déjà manger là avec Maël, nous, et on est juste à côté de la mer derrière là, c'est magnifique, on est trop bien. Regardez. Et ben voilà, on a reçu notre petit brunch du matin avec toute la famille. Trop bon les gars. Du pancakes, du guacamole, des croissants avec du jambon, des fritas. Un petit peu de tout quoi. Bon appétit. Pourquoi tu fais la gueule de caméra? Parce que c'est un merde. Déjà tu croques le glaçon, t'as un fruit. Elle se lave les mains avec le glaçon. Fais-tu bien, hein, j'ai pas le faire. On a trouvé des tissus. Vas-y. Tiens, mamouche. Des bonbons, c'est quoi ça? T'as quoi? Elle sait plus ce que c'est. Non, mais c'est à quoi? Mamouche, il a dit, elle sait plus ce que c'est. La daronne Marthe a essayé quelque chose, je sais pas ce que c'est, il faut absolument filmer et montrer. Mais c'est trop bien. Voilà, vas-y, tourne. Alors, Papouch? Ah, moi, je l'aime bien. J'ai peur du genre ce soir, Golo. Hein? Oula. T'es en train de commander à manger, des petites glaces. Et puis, il y a une coupure générale dans toute la ville. Il n'y a pas d'électricité nulle part. Du coup, on attend. Yano, vous avez le bouchon? Regarde, on a coupé. Non. Allez. Viens voir. Viens voir là, pour combien? 1, 2, 3, 8. Oh là là! À toi, reverse à 5. 1, 2, 3, 2. Oh! Pour combien? Pour 10? Pour 5? Pour 5. Vas-y, 1, 2, 3, 4. Regarde ce qui t'attend. Rien que pour toi. Oula. Tu sens le guacamole, vas-y. Le guacamole de ce midi. C'est le guacamole de ce midi. T'es trop belle, meuf. Tant que je suis pas le fromage, ça va. Regarde mieux. Vas-y. C'est du plastique. Enfin, c'est du polystyrène. Ça vole trop bien, je vais en acheter un. Wow. Bon bah je l'ai acheté. Voilà, c'est bon, c'est fait.
Léane, elle m'a dit Mimou montre YouTube que j'ai acheté un chapeau. Je parle avec des mots-clés. Et une robe. Et robe. Moi qui ai vu le caleçon. Comment ça, tu as acheté un caleçon? C'est le caca dans l'avion, il manquait un caleçon du coup. Repas du deuxième soir à Majorque. On a pris des gros burgers parce que là on avait trop faim. Regardez comment c'est fat. Il n'y a que Papouch, bon bah comme d'habitude, hein, le seul sportif de la bande. Hein. Et c'est tous mis en bombe, ça va être trop bon. Il y a la mer derrière, regardez ça. C'est le même resto que ce matin où on a fait le breakfast. Vous vous rappelez de la panne d'électricité de tout à l'heure? Bah elle a pas changé. Là c'est panne totale de que d'un côté de l'île. Là, ici tout va bien, de ce côté-là de la route. Mais tout là, c'est tout. Toute la ville est noire. Là c'est tellement dans le noir le restaurant qu'ils ont mis une voiture devant pour allumer l'intérieur pour pouvoir ranger le restaurant quoi. C'est tout noir partout là, c'est les phares des voitures et derrière c'est éclairé. Il sort d'où? Il était où? Tout est fermé. J'étais sur le lit et puis là je crois qu'il vient de passer en dessous. Et vous savez comment ça se finit avec moi quand c'est sûr. C'est sûr. Vous êtes flippés ou quoi là? Bah oui. Oh là là. Il est où là? Sous le matelas. Vous êtes sûr? Elle est là. Ah oui. Non, mais on sort de là. On va pas laisser là le poillot. Bye. Regardez ce qu'il y avait dans le lit. Attends, tiens. Allez, ciao. Ça, c'est dégueulasse. Putain. Ah, ça va, Maël? Non, ça va pas. Quand vous avez entendu Chris, c'était pas Léon, hein, c'était Maël. C'était bien moi. Et ça, c'est quoi? C'est le poillot encore. C'est attendez, j'ai vu une fourmi là. Oh là là, elle vient de là. Bon, Mimou a trouvé son jouet. Ouais. Wow. Maël s'est fait une copine. Oh, personne n'a vu le bébé tomber. Léa, t'as la vidéo? Oui. Il y a le bébé. Regarde le bébé qui est tombé. Ok, je regarde. Hop, c'est et depuis. Oh. Et du coup, il se lance l'avion. C'est trop mignon. C'est bon, les gars, il est prêt. Oh, papa. Les gars, là, on est rentrés. On est tous avachés et tout. Et là, on va faire croire à Maël qu'on va ressortir pour aller manger une glace au yaourt et tout. Vous savez, le truc qu'on adore. Là. Ok. Mimou, t'as fini? T'as eu un peu de peur. J'ai eu un peu peur, mais en fait j'ai vu, mais c'est juste le bruit qui m'a fait peur. D'ailleurs, on va aller au truc de yaourt. Quand? Là. C'est pas possible, c'est pas. Si, c'est rallumé. Ils veulent y aller, papa et maman. C'est vrai? Papa, il veut un dessert. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Donc, est-ce qu'on y va? Tu me prends pour un poulet ou quoi? Papa il propose d'aller chercher des petites glaces au supermarché. Qui vote pour que papa aille chercher une glace? Oh papounet. Voilà le moment d'attendre. Voilà le voilà. Oh là là. Vas-y. Voilà le moment d'attendre. Voilà. La sirène. Voilà. On y va. Mais si, t'inquiète pas, tu vas y rentrer. C'est un truc pour les gosses, non? Oui. Oui. Ah, merde. Si je vais rentrer dedans. Hein. Et voilà, ça a passé. Et nickel. Tu vois que ça va à tout âge. Grave. Voilà, alors, comment ça, il passe pas? Mais par contre, là, faut m'aider. Hein. Ah ouais, la vache, putain. Ah bah ouais, attends, il est en de derrière, en tout cas, ça claque avec le bronzage. Attends. Est-ce que tu peux passer les pieds là-dedans, là? Ah oui, là-dedans. Oui. Oula, sirénos. Bon défi réussi, j'ai un beau défi réussi, bravo.